Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, je me trouve à Caudry, nous sommes au pôle culturel, c'est-à-dire pour une très très belle exposition. Je suis avec Françoise Groulet. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Alors, ça fait combien d'années Françoise ? C'est la 42e édition du Salon des Arts de Caudry, grand moment culturel. Oui, c'est vrai que j'ai lu dans la presse, à chaque fois, c'est plus de 4000 personnes qui viennent visiter. Oui, tout à fait, et qui réunit des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, qui viennent de tous les départements des Hauts-de-France, alors, même au-delà. Est-ce qu'on a de belles surprises cette année ? Oui, on a beaucoup plus de sculptures, et aussi beaucoup plus de tableaux abstraits, et énormément de couleurs. Moi, j'ai remarqué que certainement nos artistes sont inspirés, ils ont le moral, et je crois que ça va donner le moral justement aux visiteurs qui vont venir... Pendant la huitaine de jours, puisque c'est ouvert du 22 au 30 septembre, tous les jours de 15h à 19h. C'est vrai que tu as tout dit. Alors... J'ai à peu près résumé, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est faire venir un maximum de personnes, parce qu'on a une chance inouïe à Caudry, c'est d'avoir un grand moment culturel gratuit. Et ça intéresse, même les tout-petits, les amateurs d'art, mais aussi il y a tellement de couleurs, de formes, que ça peut susciter des vocations aussi. Parce que, je le précise, on va pouvoir découvrir à l'entrée une partie des ateliers de l'Office municipal de la culture. Vous allez pouvoir découvrir la peinture sur soie, sur porcelaine, le scrapbooking, la mosaïque. Et puis, il faut savoir que ces ateliers fonctionnent toute l'année. Donc, ça permet aussi aux Caudrésiens et même aux gens qui sont dans les villages alentours de pratiquer une activité culturelle toute l'année, avec un temps fort, le Salon des Arts de Caudry. Alors, ce que j'ai trouvé sympathique, c'est que les sculptures qu'on verra tout à l'heure, Christian nous fera voir, on peut presque les toucher. On va dans certains salons, c'est bien protégé. Et là, on peut presque toucher les sculptures. Oui, enfin, on a quand même protégé, parce qu'une sculpture et même un tableau, bon, ça se regarde avec les yeux, on n'a pas à y toucher. Mais c'est vrai qu'on a envie, parce que je pense qu'on a aussi envie de se plonger dans essayer de partager les émotions de l'artiste, hein, en fait, c'est tout simplement ça. Mais ce qui est important au niveau des sculptures qui sont nombreuses, c'est qu'on en a vraiment dans différentes factures, on va dire. Hein, on a de la terre émaillée, vous allez avoir du plâtre, du béton cellulaire, du bronze. Bon, ça aussi, ça permet de découvrir d'autres choses et de voir toutes les sortes de productions sculpturales. C'est ce qu'est en train de nous faire voir Christian. Alors, est-ce que comme tous les ans, il y aura le public pour voter pour une œuvre ? Oui, tout à fait, pour le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, effectivement, comme son nom l'indique, ça peut être une sculpture, un tableau, un dessin, ça ne s'explique pas. Mais voilà, donc on demande, mais généralement, les gens voudraient même voter plusieurs fois parce qu'on entend dire oh, « bah, mais je ne sais pas quoi, que choisir ». Mais oui, mais on a forcément un coup de cœur au final, donc ça permet aussi peut-être de venir plusieurs fois pour pouvoir déterminer son coup de cœur et puis choisir, déterminer le prix du public. Bon, ben, je te remercie, je crois qu'on a fait le tour. Donc ça met en route à partir de demain, l'inauguration à quelle heure ? Alors, vernissage demain, samedi 22 à 17h. Et puis après, c'est ouvert tous les jours, de 15h à 19h. Ben, je te souhaite une bonne semaine dans les arts. Si, venez nombreux, et je répète surtout que c'est un grand moment gratuit, donc profitez-en. C'est vrai que l'art gratuitement, c'est très rare dans la région. Exactement, puis c'est une grosse exposition qui maintenant est connue et attire de plus en plus de visiteurs et d'artistes. Les gens veulent être présents à Caudry, ça c'est génial. Bon ben merci à toi, bon courage. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci, et ben Christian, nous si vous n'avez pas vu sur le Facebook, vous retrouverez la vidéo ce soir sur YouTube et sur le site internet www.ledirectdewebtv.fr et venez nombreux, on vous l'a dit, c'est gratuit et ça dure une semaine. Merci à vous, à bientôt.